voilà qui rumine. Ça l'est jeté dans son engagement comme celui-là. Ah ah, jeunesse impertinente. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie mêlée de traverse, il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. J'ai ouï dire une parole d'un ancien que j'ai toujours retenu. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait absent de chez lui, il doit se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié. Et ce, pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais revenue au logis que je me sois tenue prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades. Voilà qui est bien, mais pour ce mariage impertinent, j'ai bien consulté des avocats pour le faire casser. Oh, vous savez ce que c'est, les procès en CPI ici. Vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je le vois bien, mais quelle autre voie? Je crois que j'en ai trouvé une. La compassion. Je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leur enfant que cela ne m'émeuve. Et de tout temps, je me suis sentie pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligée. Je suis donc allée voir le frère de celle qui a été épousée. L'un de ces braves de profession, de ces gens de tout côté, qui ne parlent que déchaîner, et n'ont pas plus de conscience de tuer un homme que de boire un verre de vin. Je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire. Pour quelques sommes, il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Ah, des choses extravagantes! Et quoi? Des choses par-dessus les maisons. Mais encore! Il ne parlait pas moins de 500 pistoles. Se moque-t-il déjà? C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions. Enfin, après plusieurs discours, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Tu arrives au temps, m'a-t-il dit, où je dois partir à la guerre. Je suis prêt à m'équiper. Il me faut un cheval de service. Et je ne saurais en avoir un qui soit tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Oh, eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il me faudrait aussi le harnais, les pistolets, ça irait bien à... À 20 pistoles encore. 20 pistoles plus 60, cela ferait 80. Justement. C'est beaucoup, mais soit, du consent à cela. Il me faudrait aussi un cheval pour monter mon valet qui coûterait bien 30 pistoles. Comment? Diantre, qui se promène? Il n'aura rien du tout. Monsieur. Non, c'est un impertinent. Voulez-vous que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Monsieur, je vous en prie, n'allez pas plaider. Eh bien, soit, je me résous à encore donner ces 30 pistoles. Il me faudra aussi un mulet pour porter... Oh, qu'il aille au diable avec son mulet, ça va trop, nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet. Je lui donnerai seulement pas un âne. Considérez. J'aime mieux plaider. Monsieur, de quoi me parlez-vous? À quoi vous résolvez-vous? Voyez combien de procédures embarrassantes. Combien d'animaux par les griffes il vous faudra passer. Greffier, substitut, juge. Et leur clair, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. S'être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de le faire fuir jusqu'en Inde. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Monsieur, pour son cheval, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais, les pistolets, et pour quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistoles? Oui. Allons, allons, nous plaiderons. Faites réflexion. Je plaiderai. Ne vous allez point jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour la consultation. Il vous en faudra pour la présentation et plaidorie des avocats. Sans parler de tous les cadeaux qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme. Vous voilà hors d'affaire. Comment 200 pistoles? Oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul de tous les frais de la justice. Quand il n'y aura essuyé que les sottises devant tout le monde, que disent devant tout le monde de méchants, plaisants avocats. J'aimerais mieux encore donner 300 pistoles que de plaider. Je me moque de cela, et je défie les avocats de ne rien dire de moi. Oh, vous ferez ce qu'il vous plaira. Je ne donnerai point de 100 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit.